Salut, c'est Alain. Notre vie est régie par trois choses, le temps, la santé et la richesse. Quand nous sommes enfants, gamins, nous avons tout le temps devant nous. Nous avons du temps pour jouer, pour profiter, pour explorer, pour imaginer, pour apprendre. Nous avons la santé, hein, on est en pleine bourre, nous avons beaucoup d'énergie. Nous avons aussi de la force. Par contre, nous dépendons totalement de la richesse de nos parents et nous n'avons pas l'argent pour acheter ce qui nous ferait plaisir. Quand on devient adulte, nous avons en général encore la santé, hein, et nous avons la possibilité aussi de nous offrir une maison, une voiture, nous avons accès aux choses qui nous intéressent, qui nous font plaisir, mais le revers de la médaille, c'est que cet argent nous coûte notre temps. Hein, nous n'avons plus le temps de jouer, de profiter de la vie comme les enfants. Nous gagnons de l'argent pour nous offrir un lit, mais cela ne nous permet pas de nous offrir le sommeil dont on aurait besoin. Nous pouvons aussi nous offrir des livres, des télévisions, des équipements technologiques, mais ça ne nous permet pas d'avoir le temps d'acquérir la connaissance. L'argent est souvent synonyme de responsabilité, mais pas toujours de respect. Et puis, bien sûr, nous pouvons nous acheter des montres, mais hors de question pour autant d'acquérir du temps. En tant qu'adulte, nous n'arrivons plus à nous offrir du temps pour prendre soin de nous, pour avoir une meilleure santé, un meilleur bien-être. Mais nous acceptons de passer notre temps à nous sentir mal dans notre peau, à être fatigué, à être stressé, à ne plus pouvoir bien dormir comme il le faut. C'est fou quand même, hein, qu'enfant, nous avons du temps, nous avons la santé, mais pas d'argent. Et quand nous devenons adultes, alors potentiellement, nous avons dans ces cas-là de l'argent, mais nous n'avons plus le temps, et même parfois, nous n'avons même plus la santé. Et que dire quand nous devenons bien plus âgés, quand nous allons passer enfin à la retraite ce temps que nous avons tant attendu toute notre vie. On a travaillé juste pour avoir ce moment-là, cette fameuse retraite. Où là, nous avons de l'argent, nous avons du temps, mais par contre, notre santé n'est plus vraiment au rendez-vous pour pouvoir mieux profiter de ce temps et de cet argent. Finalement, soyons honnêtes avec nous-mêmes, hein. Nous ne pouvons pas tout avoir à la fois. On ne peut pas avoir la richesse et le temps et la santé. Il semble qu'il y ait toujours une sorte de prix à payer là. Mais finalement, n'est-ce pas parce que nous prenons les choses à l'envers? Réussir dans la vie, c'est peut-être trouver un meilleur équilibre pour se sentir bien, pour se sentir épanoui, pour se sentir heureux, sans vouloir que cela soit totalement parfait, sans vouloir tout avoir tout en même temps. Et donc, plutôt que de vouloir gagner plus de temps ou avoir plus de richesse, est-ce que nous ne devrions pas nous consacrer à ce qui nous apporte un meilleur équilibre et surtout une meilleure santé? Et quand nous avons suffisamment de temps et d'argent, pourquoi ne pas se dire que le succès vient non pas de ce que nous recevons, mais plutôt de ce que nous donnons? Être un leader, avoir de la réussite, c'est savoir donner de notre temps, de notre énergie, de notre richesse, car alors nous contribuons, nous avons un vrai impact, parce que là nous faisons profiter notre monde, les gens qui nous entourent, les gens avec qui on travaille, de ce que nous avons à partager. C'est Gandhi qui disait que pour progresser, il ne faut pas répéter l'histoire, mais en produire une nouvelle. Il faut ajouter à l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Allez, je te laisse réfléchir à tout cela. Sens-toi libre de me mettre un coup de pouce là et presse sur le pouce pour dire que tu as aimé ce contenu. Tu peux aussi partager pour en faire profiter le plus de monde possible. Et en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Ciao, bye.